Et bien salut à tous et bienvenue sur Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X. Toujours un titre beaucoup trop long, aujourd'hui on va voyager dans le temps avec Zamasu. Donc c'est parti, on va affronter des barbares. Trop cool. J'ai fait une nouvelle team avec les cartes qu'on a gagnées la dernière fois. Maintenant on a une team à moitié GT, à moitié DBZ, c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref, j'ai monté mon scouter d'un level, je me suis rendu compte que le scouter ça avait l'air assez OP. Donc on va tenter à nouveau. Parce que, oui, j'ai tenté Bou Petit, j'ai tenté Majin Vegeta, les deux, j'ai pas encore l'XP qu'il faut, ni les persos je pense, donc ni la strat. Donc pour l'instant on va tenter d'affronter les barbares. On va tenter de réinvoquer le dragon aussi pour devenir Super Saiyan. En fait, je vais tenter de devenir plus fort avec ce que j'ai, quoi, et puis, avec un peu de chance, prochain épisode ou prochain épisode, et on aura ce qu'il faut. On verra. Ok, alors. On va commencer par ça. Voilà, et on fera venir les deux beaux gosses après. Parce que les deux beaux gosses pourront donc, pour Goten pourra se transformer. Donc c'est parti. Ok, il m'éclate. Vous êtes juste des barbares, vous êtes en train de m'éclater. YOLO! Oui! Ah, mais ils sont full. What? Ils sont full key, d'accord. Traqué. Et moi, pourquoi je suis pas full key? Parce que vous êtes 5. Ouais, ok. Ça va, c'est ok comme phrase. J'accepte! YOLO! Ils ont activé des trucs. Ah, donc ils viennent de recevoir moins 50% et moins 50%, donc ils genre à moins 100%. Non, je sais pas en vrai. Je sais pas lire le japonais, encore une fois. Oura, oura, oura! Oh, sérieusement? Eh ben non, je suis perfect. Alors va te faire foutre. Ok, merci. Ça fait plaise, comme on dit. Oui, allez, ability, machine, magique. Tac. Est-ce que vous êtes confiants, les beaux gosses? Ils ont pas l'air confiants. Ils peuvent pas lancer d'attaque spéciale. Ouais, mais là, on va manquer de ki, en fait. Genre, en plus, ça serait bien s'ils pouvaient résister 3 tours, mais... Ah ouais, non. J'aurais dû les mettre, faire lancer des petites attaques. Allez, des fois ça passe sans problème, des fois ça galère. Sérieusement, genre hors vidéo, j'ai eu un truc où j'avais à peine rempli la barre, ils m'ont dit, oh bah ça y était à fond. Et là je galère alors que je spam. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, je les éclate, ok, donc je vais pouvoir mettre le premier coup, déjà ça me rend heureux. Détruisons les barbares, Vegeta. Wouah. Ok, c'était pas... Oh! Mais ils sont trop puissants! J'aurais pu aider Zamasu, c'est mort. Il affronte des races beaucoup trop fortes. Adieu Vegeta, c'était un plaisir. Oh, mais mon dieu! Ils font que des perfects! Bon bah adieu. Ouré, ouré. Ok, bon, on nique sa mère. Ah, mais autour de Trunks, de Goten, ça se trouve bien. Ah, ça va, il l'a bloqué! Il est heureux. On pensait pas que c'était possible. Oh, il en a perdu Vegeta. Oh, on est dans la merde. On a tellement perdu. On a perdu. Je le sais. Je le sens. Est-ce que vous vous sentez chaud pour genre tous foncer? Ouais, ils ont pas de ki. Écoutez, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Hein. Faut que tout le monde y arrive là. On a plus de ki, certes. Mais on n'a pas le choix. Ok. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Il y a Dabé? Il vient de Dabé là? Ouais, bon. Ça m'a aidé. Bon, ma team est boostée. Oh mon dieu, un Dab en 2019. Oh, bah, c'est vraiment ringard. Bon, on est boosté. Faut qu'on termine ça vite pour ne plus jamais voir ça. Ok. S'ils sont motivés à finir la série carrément, juste pour pas le revoir. Non mais au bout d'un moment j'en ai marre, genre le gars il fait des perfects, alors qu'il y avait une jauge qui bougeait super vite. Merci. Enfin. On n'y croyait plus. Oh bah c'est gagné. En fait les barbares ils sont forts mais ils ont pas de def. Adieu. En avant Bou. En avant Trunks. C'est son attaque, on le rappelle. Oh, ça fait 15 000 points de dégâts quoi, c'est raisonnable. Je pensais pas qu'on gagnerait. C'est la win, s'il vous plaît, donnez-nous des bonnes cartes, parce que j'en ai pas, et j'ai pas envie d'aller faire le mode histoire, parce que celui-là, il est mieux, surtout quand tu connais pas le japonais. Une Dragon Ball, Puxis, et
Oh, ok. Toa en mode super démon de l'espace. Si un jour on a un Xenoverse 3. Ah, le truc c'est qu'elle est, elle est forte avec les 5 autres démons en fait. Mais j'ai pas la team, j'ai pas le, les Power Rangers des démons en fait. J'en ai qu'une. Bon. Est-ce que ça débloque la suite, Zamasu? Dis-moi oui. Oh merci Zamasu, ça fait plaisir. Contre... Oh, contre le squad Bardock, ok, c'est rare. C'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Bla 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 bla. Allez, mange, fais-toi manger par mon détecteur. Voilà, parfait, je sais pas ce que ça fait. Juste que mon détecteur des fois me donne des boosts. Je crois que c'est mon détecteur tout à l'heure qui a dabé. Je crois. Ok, je gagne encore de l'XP pour Onga. Je sais pas à quoi ça sert. Je pense que j'essaierai d'aller à nouveau l'invoquer en hors caméra. Si ça se trouve, ça me fera moins XP. Oh non, mais stop, 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 stop. Oh, il y a encore Bardock, Timebreaker. Bah, ok, tu sais quoi, on va le faire pour une fois. Parce que là, il commence à me saouler, à me dire tout le temps. Oh non, 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 Timebreaker. Ah, oui, non, mais il y a du 4 étoiles là-dedans. Ah, il y a du vénère, il y a du vénère. Ouais, mais rien que Bardock est 3 étoiles, donc. Bon. C'est bien de me spammer. Ouais, il y a une mission. Il y a une mission inédite, il y a une mission inédite, il y a une mission inédite. Oui, c'est chiant au bout d'un moment, enfin. La mission, elle est grave dure, quoi, genre. Je vais sûrement perdre et après je vais faire bah super, ils m'ont spammé pour que je fasse une mission que je perds. Power up. Voilà, désolé, c'était mon bruit de power up. Désolé à ceux qui ont des écouteurs ou des casques. Qui prendrait des écouteurs? Sérieusement. Qui préfère les écouteurs au casque? Genre entre nous, un casque c'est juste trop confortable. Les écouteurs c'est juste le cancer. Puis ça s'emmêle les écouteurs, un casque. Bah moi j'ai jamais eu de casque qui s'est emmêlé en fait. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va encore lancer la. On lance Team BG en avant. Non, on va faire. On va économiser le ki de la team pas BG. Voilà, ils vont nous pouvoir quelque peu la Goddama. Et ils seront toujours bons pour le tour d'après. Et le tour d'après, on fait une full attaque. Et en plus, avec la Goddama. Et on devrait peut-être s'en sortir. Tiens, il y a l'arbre de Madara derrière. Je savais pas qu'on était dans Naruto. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même plus une inspiration là, c'est du plagiat. C'est gratuit. Bardock-san! Je pense qu'il attaque plusieurs fois. Bou Petit faisait ça. Il était seul, mais il attaquait deux fois partout. Et il faisait ultra mal. Dani? Oh merde! J'ai pas compris, j'ai pas vu qu'on avait fait ex-echo. Bon, bah. Les claques. Ouais, il attaque deux fois par tour. Il met des claques. Oh, je gagne de l'argent, je sais pas ce que ça fait. Oula, oula, oula. Mais ça pique! Mais ça pique, Bardock-san! Oui, parce qu'on sait tous piquer, hein, alors fais pas le malin. Oula, oula, oula! Et non, c'est un échec. Bref. Je pense que ça fait de gagner des pièces spéciales, là. Oula, quoi? Me dis pas qu'ils me viennent me manger mon ki que j'ai durement gagné. Non, c'est bon. Ok, on est à 11 000. Eh, 11 000, c'est raisonnable. Si en plus on a le robot qui dab, alors là, c'est gagné. Puis on a Goten qui va se transformer. Là on est à 11 500, je pense qu'on peut monter à plus avec Goten. En avant Goten. Il faut nous power up là parce que là on n'a pas le choix. Je pense qu'on va se faire éclater si jamais il nous attaque en premier. Goten, full power. Bon ok, pas full power mais c'est déjà mieux que rien. Au moins il est transformé quoi. Ok, on a combien? 11 500 toujours. Ah oui mais on éclate. Ah en plus il va daber. Ah non attendez, c'est autre chose. What? Genre c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était plus faible que nous, on est trop content. Genre, ouais c'est bon les gars, il a moins de puissance que nous, on l'éclate. Yes! God Totama! Full power! Oh Walida! Je parle japonais. C'est trop bien. Oh, bien joué les enfants! Oui, on lui réduit le niveau de la Goddama et on met des claques. Parce qu'on plus on a de pièces, plus on fait mal. Ça serait cool. Voilà, voilà, voilà! Voilà! Oh, Walid! Ah, bah non. Eh, bah non. Ok, alors là, si on perce ce combo, par contre, c'est la merde. Faut que je me concentre. Non, quel échec! C'était bien trop tôt. On a quand même la Goddama. Bon, c'est mieux que rien, quoi. Tu es plus faible, Bardock. Accepte ton châtiment, même si après, c'est vrai qu'on a plus de ki, donc après, on est dans la merde. Je pensais qu'on ferait une double super attaque, là, au combo de tout à l'heure. On l'a pas fait, je suis un peu déçu. Ouais, avec la double super attaque. Sauf qu'il serait pas protégé, donc là, il aurait, je pense, pas beaucoup de points de vie, en fait. Je sais pas si on l'aurait tué.
Mais il aurait été très close. Ah, ah oui, non, il serait mort. Il serait mort parce que là, on vient d'avoir un skill en plus qui vient de se déclencher. Alors, au type de Bardock, il est mieux de prendre un bleu, je suppose. Bon, on va mettre Vegeta. Ok. Quoi? Ah oui, non, il faut... c'est après que je dois utiliser le combo. Voilà, c'est maintenant. Là, on claque la full power. Ouh là, j'ai fait de la grosse merde. Fallait être précis, je pensais qu'il fallait être rapide, mais non, fallait être précis en vrai. C'est pas grave, c'est mieux que rien. Double punch. Oui. YOLO. C'est pas très mal. Mais de toute façon, on l'aurait pas tué. Enfin, on l'aurait eu si jamais j'avais eu la double attaque tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là, ça va faire très mal si jamais il me met des super attaques. Oh, ça va faire très mal. Oh, ça m'a piqué. Non, mais là, ça va juste trop vite, en fait. Oh, non, mais il en met des claques, hein. Les bonnes claques. Oh, putain, ah, mais c'est du poison, ça fait mal. Mais j'aime pas mourir, enfin, c'est pas mon kiff. Je vous dis ça comme ça. Hein. Alors, on va se faire éclater. Parce que, à peine 4000, même pas 4000, c'est douloureux. C'est pas beaucoup. Oh, oh non, il va daber. Dab, dab, dab. Mais vas-y. Mais fais-toi plaisir. Soupa dancing. Vas-y, et là le dab. Yoro. C'est tellement ridicule, putain. Ah, ça va, on a power up. Oh non. Si on bloque pas, c'est fini. Même si on bloque, je sais même pas si on gagne. Pitié. Pitié, Bardock. Non, parce que si je me fais spam pour perdre, c'est bon, hein, ça me saoule. Oh non, c'est fini. Qu'on bloque ou pas, on a perdu. Ouais, je gagne de l'XP en rab, c'est pour ça les pièces. Ah. Bon. Bah, j'ai perdu quand même. Donc, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je termine des niveaux, ils me sortent de mon niveau. Et ils me disent, fais ce niveau-là, fais ce niveau-là, fais ce niveau-là, il est trop bien, il est trop bien. Je le fais, je perds. Mais merci. Vraiment, vraiment, ça fait plaisir le jeu. Vraiment, je vois que tu me spams pour une cause très très gentille et très très cool. En fait, le jeu, il voulait juste me mettre une claque. C'est vraiment pas très très sympa. Est-ce que j'ai conservé quand même mon XP en rab? J'ai censé avoir 90 points d'XP en rab. Waouh, c'est la meilleure carte du monde. Je suis heureux. J'ai Mister Satan en vrai. En vrai, c'est vrai que maintenant que j'ai Mister Satan, je vais gagner tout. Et on mange les bottes dans le détecteur, c'est parti. Oui, oui, c'est logique. Mets tes bottes dans le détecteur, tout va bien. Voilà. J'ai à quel moment tu trouves des bottes sur Bardock? Ok, on a pas eu l'XP bonus, pas grave. Je lui en veux pas, c'est pas grave, ça arrive. C'est quelque chose qui arrive. C'est pas grave, c'est pas grave. Je l'en veux pas, hein, je t'en veux pas, Bardock. Juste un petit peu, mais à part ça, ça va. Bon, bah on y retournera plus, quoi. C'est où pour Onga, sinon? C'est là-bas. Et là, on a un truc, genre on a une clé du temps chelou. Je devrais sûrement éclater dans ce mode. Mode pour Onga, ça reste plus intéressant. Ok, donc j'ai fait Pilaf. Après, il me restera Camille, Tambourine et le roi Piccolo vieux. Ok, et Tambourine, oui. Ok. Ok. Enfin bref, à part ça, bah moi je vais vous dire à la prochaine parce que du coup on va s'arrêter là. C'était un épisode où je me suis fait éclater. Je pense que la série va pas durer encore très longtemps. Mais on est quoi là? On est à l'épisode 6, non? 6, 7? Et bah on va dire bah, jusqu'à 10. Jusqu'à 10 et puis on arrête, voilà, on ira faire autre chose, je sais pas trop, mais... Et voilà, ça nous aura permis de voir à peu près à quoi ressemble Dragon Ball Heroes. Bon, la prochaine fois, on comprendra le jeu, donc ça sera bien mieux, en fait, sur Switch. Parce que, bah, comprendre le jeu, ça changera tout. Mais voilà, donc pour l'instant, moi, je vous dis à plus, à la prochaine, et zou. Pouf !